السلام عليكم لي دي زاد يوتيوبرز، مساء الخير عليكم وازول في العون، وراني نسلم عليكم وجيسبر راكم كاع بخير وعلى خير. بون فوالا، جيت ندير هاد لا فيديو باش نريبوندي لخونا حشيشة، راني نسلم عليك وجيسبر راك بخير. Voilà, alors j'aimerais bien répondre ou bien réagir par rapport à ta vidéo que j'ai trouvée très intéressante, et j'aimerais bien apporter ma modeste contribution pour participer activement au débat. Voilà. Ce que moi personnellement, je suis franchement pessimiste quant au changement qu'il peut y avoir en Algérie. À mon avis, pour qu'il y ait un changement réel, il faut d'abord de la discipline et ensuite une mentalité pour vouloir réellement le changement. Bon, je vais essayer de m'expliquer. Moi, je prends exemple tout le temps sur cet espace qui est notre espace, qui est les Z YouTubers. Ce que j'appelle d'ailleurs l'Algérie en miniature ou bien la petite Algérie. Comme vous avez tous remarqué, sur cet espace, qui réunit des Algériens de divers horizons, nous avons tous le même souhait et le même désir, à savoir que l'Algérie enfin retrouve la stabilité, ou bien que qu'il y ait enfin en Algérie un régime issu du peuple qui aime son pays, qui incarne la vraie démocratie et tout ça. Ça, nous le voulons tous. Mais ce que nous constatons, malheureusement, c'est ces guerres entre différentes fractions, les religieux, les non-religieux, les Arabes, les Kabyles, tout ça, qui préfèrent se déchirer entre eux au lieu de s'unir pour atteindre le même objectif qui est l'objectif commun à nous tous, à savoir l'avenir de l'Algérie. C'est pour ça que je dis, cet espace YouTube, ce n'est que la vitrine de la réalité algérienne. Pourquoi j'ai dit qu'il faut de la discipline, il faut qu'il y ait une mentalité pour ça? Parce que, contrairement aux pays comme par exemple la Géorgie ou bien l'Ukraine et bien d'autres, et la Thaïlande, et qui ont su s'organiser, et surtout qui ont été patients et qui ont été très disciplinés et qui ont finalement pu atteindre leur objectif grâce à une organisation et une discipline sans faille. Chose que nous, malheureusement, les Algériens, nous n'avons pas. Et c'est ça qui fait que ce régime perdure. C'est-à-dire, c'est en quelque sorte grâce à nous, ou à cause de nos défauts, que ce régime perdure et s'est cimenté. Parce que nous lui avons offert les conditions nécessaires pour s'éterniser au pouvoir. Vous n'avez qu'à prendre, par exemple sur le déclenchement de la révolution algérienne. Cela n'a été possible que grâce à une organisation sans faille, à une volonté de fer,
à une, surtout une volonté, tous ensemble, d'atteindre un objectif qui était la libération du pays. Et vous avez tous vu que, grâce à ces vertus-là, le but a été atteint et en effet, les Français ont dû quitter le pays et l'Algérie a retrouvé son indépendance. Et la suite, vous la connaissez tous, il y a eu des gens venus de nulle part qui ont ensuite confisqué le sacrifice de millions d'Algériens. Voilà. Pourquoi je suis également pessimiste? Parce que ce pays-là qui est l'Algérie, c'est un pays tellement riche, ses ressources naturelles bien entendu, mais aussi sa position géographique, que il intéresse beaucoup de pays qui ne nous veulent pas du bien. C'est en fait comme une proie appétissante, et qui attire des prédateurs et qui feront tout pour, ou plutôt qui ne lâcheront jamais cette proie et ces prédateurs-là, ce sont bien entendu les pays comme la France et les États-Unis qui veillent, avec la complicité d'un régime pinochien qui est là que pour servir ses intérêts, et que ces trois éléments-là ont pris le pays en otage et ne le lâcheront plus. Et c'est pour ça que le peuple algérien n'arrive pas ou ne peut pas faire face à ces forces-là, et que la solution, s'il y a solution, ne doit venir que du peuple, en se montrant solidaire, en oubliant nos querelles du moment et en se fixant sur un objectif commun, c'est de détrôner et de combattre ces trois éléments. Et comme je vous disais tout à l'heure, notre problème, c'est un problème de discipline et de mentalité. Et sans une discipline à toute épreuve, une volonté de faire et la mentalité adéquate pour le faire, nous ne pourrons jamais réussir. Et ce régime-là va continuer à sévir jusqu'à la fin des temps. On a tous bien vu pendant la période de la décennie noire comment ce régime-là a joué sur la fibre sentimentale de l'Algérien, qui est la religion. Bon, je reviens. Attends, j'ai quelques secondes, je termine. Comment il a joué sur la fibre sentimentale de l'Algérien, qui est la religion, et il a instrumentalisé à fond cet atout-là pour continuer à rester au pouvoir, et surtout continuer à influencer le cours des événements en Algérie. Il y a eu bien sûr le 5 octobre, qui est quelque chose, bien entendu, d'organisé et non de spontané. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été organisé, bien réfléchi et avec des buts bien précis pour forcer au changement radical. Et changement, il y a eu.
Moi, je reviens pour terminer la deuxième vidéo à tout à l'heure.